bout de l'effort, Élodie Clouvel est devenue pour la deuxième fois de sa carrière vice-championne olympique de pentathlon moderne. Elle est avec nous en plateau, ça va Élodie? Ouais, ça va super, je suis trop contente, c'est fou quand même cette médaille d'argent. Vice-championne olympique à Paris, en France, dans le château de Versailles. Enfin, c'est magique devant tout le public français. Il y avait 15 000 personnes, plus toute ma famille, mes amis, toute ma team, tous mes proches, tout le pentathlon français qui était là. Donc, c'était incroyable. Ouais, et puis, 8 ans après Rio, te revoir là avec une médaille d'argent autour du cou, elle représente beaucoup cette médaille. Hein. Ah oui, c'est énorme. C'est la médaille de... Je l'ai appelée la médaille de la résilience, ouais. Du courage, de... Ouais, c'est magnifique ce que j'ai fait aujourd'hui. Ouais, la médaille de la résilience, ouais. Puisqu'après Tokyo, ça a été compliqué pour toi. Hein, même là, en tir, aujourd'hui, c'était pas facile parce que j'ai eu beaucoup de doutes la saison dernière. Mmh. Donc, le temps de reprendre confiance... Et le tir, on sait que c'était l'épreuve où j'avais pas encore totalement retrouvé la confiance. Mais aujourd'hui, j'ai montré que même avec un premier tir difficile, j'ai pu tenir et dans la tête et aller chercher. Je voulais pas que la Coréenne me passe devant et je voulais même aller chercher la Hongroise. Mais c'est vrai que la Hongroise, je pensais qu'elle allait craquer en tir. Mais en fait, elle était super forte et elle n'a pas du tout craqué. Elle a fait 5 sur 5, je crois, le dernier. Enfin, elle a été incroyable. Ouais, tu peux nous expliquer justement plus en détail, Élodie, ce qui se passe dans ta tête quand tu as 13 secondes d'avance sur Goulias. Tu pars avec 13 secondes d'avance, tu arrives sur le premier tir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux nous décrire C'est pas énorme, 13 secondes sur Michel. C'est pas énorme parce que je sais qu'elle est très forte en tir. Donc, c'est sûr, quand elle est arrivée derrière moi et que j'étais pas totalement dedans le premier tir parce que je me retrouve toute seule, ça me fait un peu paniquer. Du coup, c'est vrai que j'ai essayé de la rattraper et j'ai essayé de tout donner. Mais quand je vois ces images, là, c'est incroyable. Ah ouais. Je me dis, c'est beau, c'est beau. Et justement, Élodie, on en a parlé, ça a été compliqué pour toi après Tokyo. T'avais plus le goût pour l'entraînement, pour la compétition, non, pour ta discipline. Là, je vois une Élodie souriante, comblée, qui est heureuse d'être là. Je suis heureuse, ouais. Comment je suis heureuse, tout simplement. Je suis heureuse dans ma vie. Je suis heureuse. J'ai fait un projet avec mes convictions pour essayer de retrouver l'envie et la flamme. Et c'est ça qui a fait toute la différence. Je pense que c'était un vrai challenge, hein, parce qu'à 10 mois des Jeux, tout changer et tout, c'est un vrai challenge. Mais au final... c'est comme ça que je suis moi-même et en suivant son instinct et en faisant du hello en fait j'ai réussi à être moi-même aujourd'hui et c'était moi aujourd'hui avec mes émotions au tir, mes petites défaillances des fois mais j'ai tenu la baraque quand même. Ouais, quand tu dis tout changer, c'est quitter l'INSEP, monter ta propre structure d'entraînement, c'est ça, tout, voilà, tout renouveler. Et là on te voit aujourd'hui à 35 ans, on t'a peut-être jamais senti aussi forte physiquement et mentalement. Tu confirmes? Je confirme, j'étais trop bien en cours, j'étais la meilleure, une des meilleures en natation. En plus, j'ai géré ma natation justement pour pouvoir avoir des jambes pour la course. Et physiquement, j'étais là puisque je gagne l'escrime, je tiens tous mes matchs, je fais mon record en escrime, je fais mon record même au combiné. J'ai aucun regret à avoir au combiné, j'ai fait mon record de ce que j'ai jamais fait. Donc j'ai été au sommet de mon art aujourd'hui. Et il y a quelque chose aussi qui a été marquant, c'est que tu es la dernière athlète de l'histoire à avoir monté un cheval dans une épreuve de pentathlon aux Jeux Olympiques. Est-ce que tu peux me décrire ce moment unique que tu as dû vivre avec ce cheval qui s'appelait Fly? Ouais, Fly. Je dédicace ma médaille à Fly. Hein. Merci Fly, et je viendrai le voir aussi à la garde républicaine au Célestin, parce que sans lui, j'aurais pas pu avoir cette médaille. Ouais. Et il a été incroyable. On avait pas mal de pression à l'arrivée, parce que c'était mal passé avant, le public, il faut gérer toute cette pression là avec le cheval qui le sent, parce que c'est vraiment une éponge, et il a été fantastique. Donc honnêtement, j'avais un cheval, je le remercie quoi. Je l'ai remercié, hein, parce que quand j'ai passé mon tour, j'ai dit merci Fly et tout ça. Je l'ai caressé, c'était fou quoi, c'était fou. Et puis un mot aussi sur Valentin Belot, qui est ton compagnon, qui est aussi un pentathlète qui n'a pas été qualifié pour les Jeux de Paris. Ça a été dur pour lui.
Mais depuis, bah, c'est notre médaille. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pour lui aussi, hein, finalement. Ah, bah, il m'a toujours soutenu et ça va dans les deux sens. Il m'a toujours soutenu et puis il a fait toute la préparation avec moi. Enfin, c'est notre médaille, c'est la nôtre, c'est la sienne autant que la mienne. Et après, je vais aussi l'accompagner pour qu'il puisse rebondir. Et je sais qu'il sera là pour moi. Il sait que je serai là pour lui comme il l'a été pour moi. Ouais. On est une équipe et franchement, c'est quand je l'ai pris dans mes bras à l'arrivée, c'était fou. Comment ça va se passer pour toi la suite là, Elodie? Tu te laisses un peu le temps de réfléchir? Est-ce que Los Angeles c'est dans un petit coin de la tête ou pas du tout pour l'instant? Ah, vas-y, j'ai envie de faire comme Teddy Riner, dire moi je me sens bien là. En fait, bah pourquoi, oui. Nous aussi on te sent bien. Non, mais j'ai envie de continuer à me régaler comme je me régale là en fait. Ouais. Mais j'ai envie de faire une petite pause quand même et d'avoir un bébé avec Valentin. C'est vraiment un projet qu'on a à cœur. Mais après, je sais que je m'entraînerai quoi qu'il arrive. J'adore le sport, j'adore ce que je fais, donc je vais continuer le sport, ça c'est sûr. Je vais faire une petite pause mais oui, j'ai envie de continuer. J'ai envie de partager ça aussi avec les jeunes pour leur montrer que c'est possible, que la voie elle est lancée. Maintenant, on y va parce que j'ai envie que derrière il y ait d'autres médailles derrière moi en pentathlon et je sais que le pentathlon avec le nouveau format ça va prendre aussi de l'ampleur. Ça va fédérer dans plein d'autres pays je pense c'est une nouvelle ère, donc j'étais hyper émue aussi de monter à cheval la dernière, de tirer au sort mon cheval. C'était un moment historique en fait. C'était historique aujourd'hui et je suis tellement fière d'avoir eu cette médaille devant tout mon public et à Versailles en plus dans ce lieu magique. C'est indescriptible. Et justement, Elodie t'en parlait, ce nouveau format, l'équitation qui va être remplacée aussi par du saut d'obstacle, hein, c'est ça? Est-ce que ça va te correspondre, toi, ton profil? Est-ce que tu as déjà expérimenté un peu? Est-ce que ça va être une découverte? Ça va être une découverte, j'ai pas encore commencé, mais je me laisse le temps de tester. Je pense que, ouais, ça, avec de l'entraînement et de l'adaptation, la preuve, je me suis quand même bien adaptée au nouveau format, parce que ça a été quand même un gros changement après Tokyo. Là, il y avait quand même escrime, demi-finale, et finale, donc en course fallait tenir parce qu'on s'est tapé 2x3000 dans le sable en à peine 24 heures hein, parce que y avait pas, moi j'ai pas eu 24 heures de récupération, donc là je vous dis y a quand même, je me dis quand même je suis bien quoi physiquement. Elodie, pour terminer, après je te laisse continuer ta journée marathon, si tu devais retenir une seule image, un seul moment de ces Jeux Olympiques de Paris, ça serait lequel? Quand je passe à la ligne d'arrivée et que je réalise et que je vais voir Valentin et toute ma famille, tout le monde qui me remercie, enfin qui ont été là pour moi. Et après, le podium, c'était magique avec toute la foule française. J'ai pas eu la Marseillaise, mais il y avait tellement de drapeaux français. Waouh, c'était incroyable. Et j'ai tellement pleuré à l'arrivée. C'était des larmes de, je sais pas, de joie, mais en même temps de voir tout le process qu'il a fallu faire pour arriver jusqu'ici, quoi. En tout cas, on sent qu'il y a encore de l'émotion, mais tu nous as tous fait vibrer, Elodie, et je t'en remercie. Je suis sur un nuage, je suis là. Et profite à fond, parce que c'est des moments uniques que tu en as déjà vécu dans ta carrière, mais là, ça va encore se poursuivre. C'est unique, c'est unique ce que j'ai vécu. C'est trop beau de voir les images. Ouais, t'as vu? Ouais, parce que c'est tout récent, c'est vrai que ça s'est fini aujourd'hui. Hein. Tu vois, je sens que je suis concentrée. C'est vrai qu'on le voit, hein, ce regard déterminé. T'étais en mission, en fait. Hein. Mais ouais, j'étais en mission. Et puis, à côté, ça tient la route. Attends, t'as la numéro 1 mondiale, la championne du monde. C'est que des filles hyper solides. Ouais. Donc, franchement, je suis trop fière de moi, là. Même là, tu vois, en cours, je sens que... Oh, elle est belle, cette image. Elles sont toutes magnifiques. Merci beaucoup, Elodie. Elles ont toutes fait des podiums, là, tu vois, cette année. Moi, je suis la seule où j'ai galéré cette année. Reviens de très loin. Je reviens de très loin, quoi. Imagine, toutes les filles, là, elles auraient aimé avoir une médaille. Hein. Et c'est incroyable parce que c'est toi qui l'as, cette belle médaille d'argent. Et je te félicite pour ça, Elodie. Oh là 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 là. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne continuation, Elodie. Merci à toi. Je suis trop contente.